Hello les potes, c'est Dofus et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, je suis ravi de vous retrouver. On continue aujourd'hui nos Tenta Exo, nos vagues Exo, puisque l'objectif est d'être opti très très rapidement dans les prochains jours afin de pouvoir commencer le farming CM qui va nous permettre de générer normalement énormément de Kama pour nous permettre d'avancer dans tous nos objectifs, le PVP, les énus, le drop Vulbis. Bref, vous le savez, il y a beaucoup encore de projets à faire et du coup il faut s'activer pour finir ces Exo. Du coup, je vais vous laisser tout de suite avec les premières vagues et je vous retrouve à la fin pour un petit débrief. On y est, fini les conneries, on est parti. Hein, on est parti, donc on va faire la fameuse strat. La fameuse strat, attendez, hop, déjà on va enlever tout ça. Comme ça, pas de spoil. Je regarde plus le chat Twitch pendant 5 minutes, le temps qu'on fasse toutes les tentes à exo. Et c'est parti les potes, hein. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts, on croise les doigts. On commence par les bottes. On va mettre ça, sinon ça va faire un peu chelou. Allez, c'est parti les gars, je vous dis. Tatata, je regarde juste. Allez, c'est parti les gars. On est parti, je regarde plus du tout le chat. Vague de 28 items exo. Les bottes. C'est envoyé. Première botte. Seconde botte. Troisième botte. Quatrième botte. Cinquième botte. Et sixième botte. On attend que ça s'enlève. Parfait. On reprend un petit peu d'élan. Ceinture. Je sais pas pourquoi je prends de l'élan. Attention, c'est parti. Première ceinture. Seconde ceinture. Troisième ceinture. Quatrième ceinture. Cinquième ceinture. Et sixième ceinture. Ok, Dofus. Nous allons à présent passer au niveau de la coiffe et de la cape. On va commencer par améliorer un chapeau. Un chaptal. Faites vos prédictions si vous voulez dans le chat pour savoir combien on aura les gars. Le chapal, il est là. Allez, c'est parti. Premier chapal. Second chapal. Le troisième, il est là. Le quatrième. Le cinquième. Et le sixième. Ok. On va passer à Los Capas del Mundo. On va reprendre un petit peu d'élan. Hop là. C'est bon, ça me fume. Les capes, puis les anneaux, et on fera le reveal. Il y a mon lapin qui vient de me sauter à côté là. Allez, c'est parti. La première cape. La seconde cape. La troisième. La quatrième. Et puis la cinquième. Et on va finir par Los Anillos. Les anneaux blitérés, les gars. C'est parti d'eau. Ça. Allez, premier anneau, let's go. Second anneau, let's go. Troisième anneau, let's go. Quatrième anneau, let's go. Allez, c'est parti. Hop, on attend juste que la bulle s'en aille. Allez, Dofus Rétro. Allez, Dofus Rétro, serveur Galgarion, c'est à toi de jouer. Premier anneau qui ne passe pas. Second anneau, non plus. Troisième anneau, non plus. Quatrième anneau, non plus. Pas d'anneau sur cette fois-ci. Les capes, la première ne passe pas. Pas sur celle-là non plus. La troisième non plus. Dommage, celle-là, elle aurait pu. Celle-là non plus. Toujours pas. Allez, on passe au casque. Pas sur ce casque-là. Celui-là non plus, malheureusement. Pas sur celui-ci. Celui-là non plus. Toujours pas ici. Toujours pas là. On passe aux ceintures. Pas sur la première. Pas sur la seconde. Je me suis fait bait par le modifié par Dofusium. Fais chier. Pas sur celle-là. Celle-là non plus. Non. Dernière ceinture, non. Allez, on passe aux bottes. C'est parti pour les bottes. Pas sur la première. Pas sur la seconde. Pas sur la troisième. Pas sur la quatrième. Pas sur la cinquième. Et pas sur la sixième. RIP, les gars. Pas d'exo. Pas d'exo, pas d'exo, pas d'exo. Aïe, 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 aïe. Bon, mais c'est pas grave. On en a passé un tout à l'heure. Un petit blitéré PA. Donc ça ira pour l'instant. Et on va se faire une petite vague encore cet après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en remonter là tout à l'heure. Juste avant d'aller. Juste après aller, être allé manger. On se refera une vague après. Allez, les amis, let's go. Deuxième vague des familles. Allez, la petite deuxième vague, on est parti. Donc on va faire bot. Hop, on ouvre l'inventaire. Le petit tricks. On va tout envoyer assez rapidement. Hop. Allez, c'est parti. On les enchaîne. 2, 3. 4, 5 et 6. Alors on attend juste que la bulle se ferme. C'est parfait. La ceinture, même petit tricks.
Tac, c'est parfait. Condition. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, parfait. Allez, Dofus, hein. On croit en toi, petit jeu. On croit en toi, petit jeu de ouf. Ça, c'est bon, c'est là. Chapeau. Allez, normalement, il n'y a plus besoin. Si on va quand même le faire. Dans le doute. Voilà, parfait. Allez, les chapeaux, les gars. 1, 2, je fais gaffe de ne pas me fail. 3, 4, 5 et 6. Il nous reste les capes et les anneaux. Allez, Dofus, petite cape. Merde, j'ai oublié d'ouvrir l'inventaire. My bad, les gars, désolé. J'essaie de me dépêcher au maximum comme ça. Ça fait des vidéos qui sont pas trop longues. Hop. Hop. Parfait, ça c'est bon. Les petites runes Gapéa, elles sont là. Et les capes, elles sont là. Les 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, on finit par les 4 anneaux. Les 4 anneaux des familles, ils sont là. Améliorer un anneau. Parfait. Bon, les anneaux, il n'y a pas besoin normalement de faire ça. Parfait. Allez, c'est parti, les gars. 1, 2, 3 et le dernier anneau et 4. C'est parti. Allez, on est parti les gars. On fait le petit reveal. On dévoile tout ça. Organisé. Allez, on est parti. Premier anneau. Oh! What the fuck? Les gars, yes! Le premier. Donc la dernière rune qui passe. Ça, c'est nickel. Un exo. On va le mettre juste là, pareil. Oh yes, les gars. Parfait, parfait, parfait. Yes, Dofus. Allez, le premier exo qui passe, les gars. Allez. On regarde des caps. Pour l'instant, pas de deuxième exo. Oh là là, sur le premier direct, quoi, comme ça, là, blanc, là. Ok, toujours pas là. Pas là non plus. Non plus. Pas là non plus. Allez, les torés. Pas là. Pas là. Pas là. Là non plus. Oh putain, je suis trop refait, les gars. Là non plus. Là non plus. Allez, les boîtes pour finir. Pas sur les premières. Pas sur les secondes, pas sur les troisièmes, pas sur les quatrièmes, pas sur les cinquièmes et pas sur les sixièmes. Bon, tant pis, on a quand même passé les gars, un exo, c'est nickel. Allez les amis, il est 3h06 du matin, je voulais vous faire juste une dernière petite série sur cette vague-là, comme ça fait quasiment 90 tantas sur cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. On va se faire une dernière tentative, juste aller acheter les runes Gapéa. Et du coup, on va les acheter ensemble. Pour vous expliquer un petit peu là où on en est. Du coup, on a passé pas mal de blitérés. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre qui passe que les blitérés. On a acheté 27, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre que les blitérés qui passent. Étant donné que l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes en 16 PA. Quitte à avoir après d'autres qui sont limite en 11 PA. Mais dès que j'ai 4 crans en 16 PA, je peux commencer à tryhard directement le CM. Donc ça m'arrangerait qu'il y ait autre chose qui passe plutôt que d'avoir une nouvelle fois du blitéré. Enfin bref, ça c'est dans l'idéal. Après, on va voir dans la pratique ce qui est faisable. Du coup, on est parti les gars. Je suis désolé, je parle vraiment pas très fort et vous l'avez compris, les 3 heures du mat. Et voilà. Allez, on est parti, on va enchaîner. Je mets pas les runes de signature cette fois-ci. On va y aller comme ça à blanc. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai tout fermé. Première botte. Allez, seconde botte. Troisième botte, quatrième botte, cinquième botte et sixième botte. Ok, on attend que ça passe. Parfait. On se remet là. Merde, putain, j'ai mal fait. Désolé, j'ai fail. Excusez-moi, les gars. Hop, ceinture. Parfait. Allez, Dofus, on y croit. Après, les gars, il y a peu de chances que ça passe là quand même. Je vous cache pas, il y a très peu de chances que ça passe. Allez, les ceintures, c'est parti. Une, deux. Quatrième, la cinquième et la sixième. Toujours aucune boîte et aucune ceinture de passé. Pour l'instant, 4 blitérés, j'ai passé. 4 blitérés et 2 captodes, j'ai passé pour l'instant. Ok, ça c'est bon. Si j'ai passé une boîte répadne aussi, pardon, mais je l'avais mis direct sur mon second cran. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va passer à ça. Donc, HDB des tailleurs. Enfin, là, les coiffes. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5
Et la petite sixième, elle est là, parfait. Allez, c'est parti les gars, il me reste les capes et ensuite on sera sur les anneaux. Parfait. Les capes, elles sont là. Hop. Les runes Gapa, elles sont ici. Allez les amis, 3, 2, 1. On est parti, première cap. Deuxième cap. La troisième tenta de la cape, elle est là. La quatrième, elle est là. Et la cinquième, elle est là. Franchement les gars, si ça passe, je sens que ça passera sur un harnage à cette série. Mais honnêtement, je pense vraiment que ça passera pas sur celle-là. En toute honnêteté, je le sens pas du tout sur celle-ci. C'est pour ça que je la fais un peu tard comme ça. Même si jamais ça passe pas, je sais que demain matin en live, je recommencerai quelques petites vagues. Du coup, ça me motivera bien. Allez, c'est parti, les gars. On est sur les trois dernières tentats de cette vague. Et de cette vidéo, par conséquent. Allez, l'anneau, le premier. Le second. Et pour finir, le troisième anneau. C'est bon. Nos tentats ont été faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder ensemble, les gars. Si oui ou non, on a passé un exo supplémentaire. Et on se rapproche encore plus de notre optimisation finale. On est parti, premier blitéré, ça passe pas. Second blitéré non plus. Oh, fuck, encore un blitéré, les gars. What the fuck, les gars, encore un blitéré. Mais j'oublie un CC. Oh putain, j'oublie un CC. Oh, oh le con. Ah, oh, je savais que. Oh putain, le fail à faire de l'exhauster là. Bon, tant pis, mais celui-là, c'est ce qu'on fera, les gars. C'est qu'on le gardera au début, mais après, très vite, on essaiera de faire une rune dessus. Ah, putain, je suis deg. Ah, quand je fais de l'exhauster là, des fois, je fais des fails là, bon. Ben, en tout cas, les gars, on tentera une crie dessus dès qu'on aura tous nos exos. Sinon, on le reprendra et on essaiera de tenter une rune crie dessus. On le fera en vidéo. Putain, fait chier. Ça m'a choqué quand j'ai vu 2 CC, mais bah, j'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis. Allez, on va voir si on a réussi à passer. Ouais, ça fait quand même un exo, mine de rien. Ça fait ça en plus, les gars. Mais je passe que des blitérés, c'est ouf. Il n'y a rien sur les caps pour l'instant. On enchaîne sur les cascarnages. Pas sur le premier. Pas sur celui-ci. Toujours pas. Non. Et non. Ok, on passe aux ceintures. Pas sur celle-là. Non plus. Toujours pas. Toujours pas de ceinture. Et pas de ceinture. Et on passe aux 6 bottes. Non, 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 toujours pas, 2 bottes, la dernière, et non, ok. Ah, fais chier, je suis deg. J'ai pas envie de la tenter maintenant, étant donné que on sait jamais si j'arrive à la vendre un hispanique à 100M, ça sera ça de rentabiliser. Sinon, comme je vous ai dit, si je la vends pas à 100M à un hispanique, celle-là, je tenterai une rune cri en CC. Dessus, tant pis, on essaiera. Et voilà, on essaiera de faire ça en live, comme ça, ça ferait un petit peu de suspense. Putain, je suis un peu deg, les gars. Ah, j'ai fait le con, putain. Le seul item où je fais un fail, bordel. Le seul item où je fais un fail, il passe en PA, c'est ouf. Bon, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave, en soi, au pire, ça me dépannerait un petit peu en attendant. Bon, c'est vraiment pas ouf, mais il y a. Limite, vaut mieux qu'il soit passé que qu'il soit pas passé. Au moins, ça fait soit un truc à revendre, soit un truc sur lequel je testerai une rune cri, soit que qui pour l'instant me dépannera sur un perso. Enfin bref, voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort en tout cas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ophysium, bye bye. Allez les amis, du coup, comme vous l'avez vu, un petit fail cette nuit au moment de remonter l'exo. Bref, ça arrive, c'est pas grave. Il faut que ça tombe sur le seul anneau qu'on ait fail, quoi. Enfin, c'est la vie, les gars, malheureusement. Bon, après, ça reste un exo qu'on pourra un petit peu utiliser pour dépanner les premiers temps. Et puis, dès que j'aurai tout simplement un petit... que j'aurai fini les exos tout simplement, mais je pense qu'on tentera en live une rune crit sur cet anneau. Ça pourrait être une expérience sympa à faire. Dites-moi si vous préférez que je tente une rune crit, je pense que vous choisirez ça, ou que je le revende à un prix dérisoire, genre 100M ou quoi. En vrai, pour l'expérience, j'ai quand même bien envie de tenter une rune crit, les gars. Quitte à ce que ça passe pas, ben tant pis. Mais voilà, je le ferai ça d'ici à peu près 2-3 semaines. Hein. Je vais pas le faire demain. 2-3 semaines, le temps que je puisse en remonter une fois que j'aurai fini les exos. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires. Si vous préférez voir ça ou si vous préférez que je le revende à ça. Mais je pense que voilà, vous serez majoritaire à vouloir tenter l'expérience et que je passe une rune PA dessus pour le beau jeu. Voilà les amis, en tout cas, soyez pas
Soyez pas sévère avec moi, j'ai fait un fail, oui, ça arrive, s'il vous plaît, ne me trash-talkez pas, désolé pour ce fail, mais voilà, soutenez-moi dans les commentaires, ça ferait super plaisir les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça ferait vraiment chaud au cœur, et puis continuez à être toujours aussi nombreux à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Dofusium, ciao ciao!